Mika, bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'internet. Aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de notre let's play avec Hogwarts Legacy. J'ai enregistré 2 heures de rush, malheureusement il y a eu un problème de son. Encore, j'ai tout le temps des problèmes de son, je ne sais pas pourquoi. On n'entendait pas ma voix, donc j'ai dû mettre les 2 heures à la poubelle parce qu'on n'entendait vraiment que dalle. Je vais vous faire un rapide résumé de ce qu'il s'est passé. Nous avons été dans la crypte du sanctuaire pour regarder dans la pancine les souvenirs de Rackham le Rouge et de ramener un bouquin à Mifig Miraisin. Avant, nous avions appris Incendio avec le professeur Hecate. Nous avons récupéré les baveboules de cet imbécile and stupidass. Et nous avons été avec Seb pour voler le livre dans la réserve de la bibliothèque sans se faire prendre. Je me suis fait défoncer par les gardes, j'ai dû recommencer plusieurs fois. Je suis nullissime, mais c'est pas grave, on va quand même continuer. Le but c'est de participer, comme on dit. Donc nous sommes partis, tour de la défense contre les forces du mal. Oui, je n'ai même pas de mission, mes chers naufragés d'internet. Donc nous allons tout de suite voir quelle est ma prochaine mission. Cours de botanique, voilà. Je devais aller voir le professeur Bubille. Donc nous sommes partis pour cet épisode, mes chers naufragés d'internet. Nous allons suivre le livre maudit, comme toujours. Il y aura moins de montage sur cet épisode, mes chers naufragés d'internet, parce que j'ai pris un retard monstre. Je suis obligée de réenregistrer, on est mardi. La vidéo sort demain et j'ai plein de choses à faire pour la vidéo de samedi. Je suis débordex et j'avais vraiment pas besoin d'avoir un problème de son. Mais écoutez, c'est comme ça, je crois que je n'ai pas pris encore en main mon micro. Et je pense que d'enregistrer le micro avec le jeu, ce n'est pas une bonne solution. Donc je suis en train de chercher une solution qui va me permettre d'avoir moins de problèmes. C'est pas le problème de mon micro est très bien. C'est plutôt mes enregistrements qui sont un petit peu approximatifs. Oui, Léonora, il y a peut-être ton cœur qui est parti. Allons voir le professeur Bubille. Où êtes-vous, Bubille? Me balader à Poudlard, ça, c'est un rêve d'enfant. Vraiment. Et c'est incroyable de savoir que... on a regardé ça, les personnes qui sont nées dans les années 90, c'était leur enfance. Et aujourd'hui, il y a toujours des... oignons piquants. Il y a toujours des gens qui regardent... Mais je suis pas arrivée là, qui regarde Harry Potter. Comment c'est? Bah oui, je suis là, je suis dans la salle. Stupidasse des enfers. Le professeur Bubille, le professeur préféré de mon cher Dark préféré. Big up à toi, mon Dark. Bonjour, professeur Bubille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Léonora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit... D'ailleurs, merci à toi, mon Dark préféré, de m'avoir donné... l'optimisation maximale par rapport à ma carte graphique. Tu es vraiment adorable. Tu peux voir que ça va beaucoup mieux. Grâce à toi. Je mettrai le lien de sa chaîne en description, mes chers naufragés d'internet. Allez le voir, il est génial. Comme c'est réjouissant de voir. On dirait une petite elfe. Elle a l'air toujours toute gentille, à sourire. Et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la... Et j'ai l'air tellement blasée. En mode, je n'ai rien à faire de ce que tu dis. Oh, Maki. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux bien sûr, oui. Appelé Racine. Ça hurle comme un bébé en crise de nerfs. Un bébé phoque. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger... Et qui va protéger les miennes d'oreilles, Bubille? Moi, je veux être protégée aussi, hein. Protégo. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. Allez, vas-y, Ali. Ah, quel doux son à nos oreilles. Ça fait tout péter. Placez vos mandragores dans leur nouveau pot et tapotez le terreau. Allez, on va rempoter cette horreur. Et on va plus jamais la ressortir. Le terreau
doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! C'est quand même vachement pratique ça comme sort, Réparo. Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, file, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. La tête qu'elle fait, on dirait une tête déconfite. Bien, la tâche suivante consistera à planter du dictame à la table... Je dois parler à professeur Bubi. Ah, j'ai vu que je pouvais parler avec ce mec-là. Qu'est-ce que tu veux? Je trouve que le professeur Bulby devrait faire plus attention avec ses mandragores. Bah d'accord, tu te plains, j'ai cru que t'allais te donner une quête ou je sais pas quoi. Non, le mec il se plaint juste. Vas-y, on va récupérer ça. On te prend des affaires, hein, ça va? Cher professeur Bulby, c'est très gentil à vous et vous êtes souvenu que ce sont les fraises que je préfère. Elles sont si sucrées, il n'est pas étonnant que le moldu les affecte tant. Mais on s'en fiche un petit peu de ça là. J'en ai un peu rien à faire. Bon, qu'est-ce que tu veux, Madame Bubi? Oui, professeur. Tout d'abord, bravo. Mais merci pour votre beaucoup, Madame Bulby. Elles peuvent être difficiles à... Tout à fait. Aider. Tout à fait, Madame Bulby. Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Ça m'a bien plu, j'ai failli perdre Louis. En fait, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré à Préolar. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Eh ben oui, si j'ai fait les courses de Madame Weasley. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de repotage merci. En classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y comme les graines comme c'est gentil, Madame Bulby. Et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Oui, madame, il nous faut du temps. Comment équilibrer? Il nous faut du temps, il nous faut du temps. Avec des roses ou des caprices de nifle. Plantez des graines de dictame à la table de rempotage. Très bien, allons-y. Les propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable de la potion Wiganweld, comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Sharp. Beau travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiganweld. C'est fantastique ça. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Ils se trouvent dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. Oui, madame. Léandre, nous voilà. Beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Non mais attends, tu me parles, mais je suis pas encore près de toi, là. Et il est très doué. Enfin... Mais pourquoi est-ce que tu me parles, mon ami? Je te vois même pas. Nous y sommes. Le royaume du chou mordeur. Vas-y, attrape un de ces choux. Fais juste attention à... D'accord, il me parle, mais de loin. Une fois. Ne t'en fais pas. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Ouais, on récupère tous les choux, nous. On récupère tous les choux. On va pouvoir les balancer sur nos ennemis. Allez, on balance le chou. Regarde ça. Il n'hésite pas à mordre tout ce qu'il trouve. Ah, le pauvre mannequin, j'ai mal pour lui. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces gentils claquements. Excuse-moi, mais qu'est-ce que... Ah, comment je lui ai coupé la parole. Il a dit qu'il fallait que tu essaies de t'occuper des choux. Fais attention à ne pas te faire mordre. Oh, on dirait un Weasley, difficile. Lui. Jette quelques-uns de ces choux mordeurs de Chine. Celui que j'aime pas, là, le... Rapidement d'où il tient, le chef de Gryffondor, là, comment il s'appelle déjà? J'ai un trou. Celui qui est insupportable. C'est vicieux, ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux, au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais... Imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait être utile, d'accord, mais ce n'est qu'un mannequin, c'est déjà fait. Ce n'est pas parce que ces choux mordent un mannequin qu'ils feront la même chose avec un gobelin. C'est le chaos par ici.
Il y a même des trolls après Olar. Je sais, je l'ai défoncé. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Bah oui, c'est clair. Tu en trouveras plus chez Amani, tes chiens dents. Ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Oui, c'est une bonne idée, ça. Attaquer le mannequin, retourner voir le professeur Bubir. Ah, on va récupérer ça d'abord. Oui, oui, mais arrête de parler, je suis pas encore arrivée. Voilà, nickel. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Mais merci beaucoup, madame Bubille. Les plantes sont fascinantes. À vrai dire, les plantes ne m'intéressent pas. Non, c'est fascinant, les plantes. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. Mais moi aussi, j'ai hâte. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soigne. Mais merci, madame Bubille. Alors, la prochaine quête que nous devons faire. Que devons-nous faire? Cours de potion. Bah très bien. Allons au cours de potion. Elle potionne avec le professeur. Le professeur Sharpie. C'est parti, monsieur Sharp. C'est le professeur Rogue, mais avec un peu plus de gentillesse et d'humanité. Voilà, nickel. Salle des potions. Là, on est dans une matinée full cours. Qu'est-ce qui s'est passé après Ola? Le professeur Black me permet de... Nickel. Nous voilà au cours de potion. Salut Seb. Toujours dans le coin, hein, Seb. Oh là là, on dirait un vieux. Les potions sont l'une des... Il ressemble vraiment au professeur Rogue avec sa cicatrice. Cinquième année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Oui, monsieur. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiganweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer... Je peux tuer des gens avec... Oui, professeur Sharp. La potion Wiganweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Stériliser une blessure? Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdel. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiganweld. C'est parti. Nous, on veut guérir les blessures. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Ça, c'est clair que je vais en avoir besoin vu mes skills de combat. Je suis trop nulle. Allez, Ali, donne tout. Elle potionne. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Une pincée. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Nickel. Faut pas en mettre trop non plus. Du jus de Horglup. Ajoutez du jus de Horglup. Hop là. Trois petites gouttelettes. Oh bah dis donc, ça c'est une sacrée louche. Hein. Ça c'est la louche pour faire cuire Hansel et Gretel. Hein. C'est bon, on est bon? On est bon, monsieur Sharp? Monsieur Sharpie, on est bon? Et lui, il a l'air de galérer. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Bah merci, on n'est pas des bébés non plus. Hein. Voilà, forcément, ma potion, elle est superbe. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits après Olar, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin. Oui, on a été chez Pipin, oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans... Ah, on peut tout voler? Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres... Non, non, on n'a pas de sous. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir. Moi, je peux les voler, hein. Je suis une voleuse, moi. D'ingéniosité. Je vais vous dévaliser. Vous allez rien comprendre, monsieur Sharp. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Non, non, c'est pas de la chance, c'est du talent. C'est du talent pur. Le professeur Sharp dit que la potion Wiganweld peut guérir les blessures. Oui, bah d'accord, ça, il vient de le dire. À m'envoyer à l'école cette année après des rumeurs. Qu'est-ce que tu veux, toi? Félicitations pour ta première... Merci, Samantha. Récupérez des œufs. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait. Allez, dégage, Weasley. Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Je m'appelle Garrett. Salut, Garrett. Garrett Weasley. Une sorte de prodige des potions, bon, si bah, je peux me ça permettre. Va. C'est un plaisir.
Dis-moi, tu es de la même famille que professeur Weasley ? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Oui, Garrett, calme-toi. Même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Oh, ne te vends pas trop. Ne vends pas de la peau de l'ours avant d'avoir tué. J'aime pas les gens arrogants. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre. Mais oui, je suis une voleuse. Je te ramènerai cette plume de faucifère si tu es sûr que Sharp est d'accord. Mais bien sûr que non, il est pas d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas si précieuses. Ça marche. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Ça marche. Moi, ça me dérange pas de voler des trucs. Attention, votre table. Fourrure de chien. Allez, on ramasse tout. Ça, je m'en fous de ta vie. Ok, on ramasse tout. Réveillon. Où sont les œufs? Voilà, ça, ce sont les œufs. La plume. La plume, plume, plume. Voilà, on récupère. Retournez voir Garrett Bale. Bon, il y a un petit coffre, là. Voilà, c'est parfait. Des petits sous-sous. Il n'y a plus rien à voler dans cet endroit, là. Moi, je vole tout, hein. Il n'y a pas de problème. Ok. Ça va, Garrett? Voilà tes plumes. Voici la plume de faucifère. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour te préparer. Mais n'explose pas. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Et tu me donneras quelque chose en échange, hein, frérot. Préparer une potion. El potion de la mort. N'oubliez pas, la précision. Bah, je peux pas préparer là la potion. Evelio. Pourquoi? Où est-ce que c'est où que je dois la préparer? Ah, c'est par là-bas. D'accord, il me donne carrément un fourneau spécial. Attention, mauvaise réponse. Alors, soigne et restaure un peu la santé de la personne qui la boit. Oui, mais d'accord, mais je dois mettre quoi? J'ai pas compris. Préparer une potion et du russe. Temps de préparation, œuf de serpent cendre. Voilà. Temps de préparation. Ah, ça se fait tout seul, ok. 26 secondes. Bah, très bien, on attend. Hein. On attend. C'est une évidence d'attendre. C'est un peu dommage qu'on puisse pas faire des trucs, on est obligé d'attendre comme des débilasses. C'est pas censé. Mes frères, je l'ai fait. Qu'est-ce qui se passe? Il a tout fait péter. Ma potion Wiganweld est un vrai désastre. Si seulement je pouvais la remplacer. Désolé, professeur. Des points en moins pour... Encore une fois. Et voilà, retournez voir le professeur Sharpie. Son ou sa complice. J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez, professeur. Oui, monsieur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Ah, il m'a grillé. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, professeur. Ce n'est pas en fuyant l'arrogance que vous rentrez dans mes bonnes grâces. Tenez-vous-le pour dire. Oui, monsieur. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. Merci beaucoup, que des loges, monsieur avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé, alors que vous venez. Merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir pu répondre à vos... Merci, attentes. Monsieur Sharp. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être une maîtresse des... Mais ça, c'est vrai, monsieur. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Oui, monsieur. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. C'était un cours intéressant. Très intéressant. Grâce à toi. Ce n'est pas exactement t'as tout ce que fait péter. En tête, mais c'était génial. Merci mais pour de ton rien. Aide. C'était gratuit. J'espère que Sharp n'a pas été trop désagréable quand tu as rendu ta potion. Je l'ai entendu parler dans « N'assumer la responsabilité ». Oui, j'ai été grillé. Le professeur Sharp était agacé, mais ça s'est arrangé, ne t'en fais pas. Alors tant mieux. Il a dû bien rigoler quand on est parti. Sharp peut sembler bourru, mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. Oui. Je dois filer. La prochaine c'est pas fois un prof verra, rigide. Sera il a été élève lui aussi. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il y a des trucs à voler? Je crois que j'ai assez pillé son bureau. Hein. Elle veut quelque chose. Être aussi difficile que ça tu veux est. Quelque chose, Léonora? Bonjour, Léonora. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Mais t'as l'air, hein. On t'a dit que je suis juste on dirait Mimi Géniard. Ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant.
Je connais bien Poudlard, et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Je mènerai peut-être l'enquête. Qu'est-ce que tu as appris ? Tu as appris du nouveau sur le tableau, depuis que tu as commencé à l'étudier ? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. D'accord. Je vais mener l'enquête. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance sûrement, que moi. Sûrement, toi t'es débilus. Ok, surtout, quête commencée. Viens me dire si tu Reveal you. Bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Lumos. Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Je vais suivre le petit bouquin. Le professeur Eckhart est très mystérieux. Action. Allez, ça c'est pour moi. On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ? Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Ah oui, je dois foutre les papillons dans le... dans les cadres. Voilà, nickel. Je savais. Je devrais dire à Léonora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Oui, j'arrive, Léonora. Léonora. Hop, je vais récupérer les pages. Les pages de l'amour. Les pages de toujours. Voilà, j'ai résolu ton énigme. Léonora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment ? Comment ? C'est un secret, bah non. J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau. C'est pas un secret. Et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche. Mais t'inquiète pas, nous deux, on est doué plus souffle, on est bêtes aussi. Nati aussi est plutôt douée. Et Amit, même s'il a tendance à trop expliquer. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Mais de rien, ma belle. De rien. Le papillon. C'était facile. Enfin, pas trop. J'ai quand même réussi. Que moi je suis pas très casse-tête, je joue jamais à ce genre de jeu, donc bon, et là j'essaie clairement de me donner des excuses alors que je suis nulle. C'est juste de la nullité. Je suis une poussoufle, une vraie moi. Bon, vous avez pas de quête pour moi? Ah, j'avais vu que Cressida, elle voulait quelque chose. Cressida, elle est là-bas. Regardez, elle est en train de souffrir le martyr. J'arrive, Cressida. Dis-moi tout. J'ai vraiment dépassé les bornes. C'est elle qui ressemble encore plus à Mimi Géniard. C'est gentil de demander. Je m'appelle Cressida. Et malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis. Ah bah nous aussi, elle nous déteste. J'aime bien créer mes propres sortilèges. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque. Ah oui, c'est vrai qu'il faut lui ramener ses bouquins. J'ai dû les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque. T'inquiète pas. C'était une idée géniale, je trouve. Merci. Malheureusement, la bibliothécaire risque de ne pas le voir de cet œil. T'inquiète pas. Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même. Mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts sème la pagaille dans la bibliothèque. T'inquiète, on va régler ton problème. Amit a dit à Madame Scribe qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille... Elle écrirait à mes parents. Une beuglante. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi. Oui, y a pas de problème. Il n'y en a que 5. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Ça marche. Je devrais pouvoir t'aider. Si mais oui, t'as le temps, Annie. Je t'en serais reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. T'inquiète pas, je vais si gérer. Si tu venais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. Oui, madame. On est parti. Par contre, là, on a l'impression que t'es en train de prier la Sainte Vierge. Respire, hein, je vais les récupérer, tes trucs. Et il m'en faut encore un autre. Si j'arrêtais de taper dans tous les murs aussi, ça irait peut-être mieux. Vas-y. Voilà, c'est bon. C'est parti. Eh, mais j'en ai pas que 3 sur 5. Comment ça ? J'ai vraiment cru que je les avais tous, mais je me suis trompée. Il est là. Ok, c'est bon, on est bon. C'est le dernier livre. Je devrais les rapporter. Oui, on va les rapporter à Cressida. Bonjour, Cressida. J'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Oh, quel soulagement! Mais de rien, Cressida. Je vais me faire un plaisir de te débarrasser.
Voilà pour toi. Mais il nous faut pas de récompense, nous. Ça m'a servi de leçon. Je ne risque plus de travailler les sortilèges dans la bibliothèque. On fait les choses gratuitement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver ce qui a mal tourné. Je devrais peut-être commencer à réviser mon latin. Vas-y, travaille, travaille. Heureusement qu'il y a encore des gens... Ah, parce qu'on doit reparler à Cressida, non, c'est bon. Ok, c'est ici que nous allons nous quitter pour cet épisode, mes chers naufrages d'Internet. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, tu peux liker, commenter et t'abonner si tu veux suivre mes prochaines créations. On se retrouve samedi d'ici là. Prenez soin de vous surtout. C'était... Allez-y pour vous servir!